Alors elles ont, toutes ces jeunes filles de la Biélorussie, imaginé une chorégraphie s'inspirant du livre de Bulgakov, Marguerite et le Maître, sur une musique composée par Anatoly Vershin, le grand compositeur biélorusse. Pierre, l'expression, si vous voulez, de longévité de la gymnaste, on a toujours accusé qu'elle terminait trop tôt. Lobac, qui était à Séoul, et n'a pas fait évidemment le championnat du monde à Paris, mais s'est intégrée dans ce groupe de présentation d'une forme de travail chorégraphique avec Engin. Là, on n'est plus dans le contexte d'un championnat, comme en patinage artistique, où il y a une après-midi, une soirée de gala offerte aux spectateurs, les gymnastes se libèrent, sorte du règlement. Voilà l'Oba. Championne olympique à Séoul et aujourd'hui juge international, voyez que la GRS conserve formidablement bien le rythme et la silhouette féminine. Et voici la nouvelle star de la Biélorussie, Olga Bonta. On peut annoncer qu'Olga Bonta n'a peut-être pas fait beaucoup de médailles d'or aujourd'hui, mais c'est la junior. Elle était championne du monde junior l'année dernière. Il lui faut encore une ou deux années de pratique. Mais elle a une morphologie exceptionnelle. Et l'entrée de Larissa Loukayenko. Annoncer un peu, Pierre, à partir de après Atlanta, les ensembles ne travailleront plus à 6, mais elles travailleront à 5. Ce qui va être bien évidemment un problème de sélection pour les entraîneurs qui vont devoir choisir parmi un groupe 5 jeunes élus. Quelle grâce et quelle prestance, quelle expression de la part de Mademoiselle Olga Comptard en blanc. Merci Marina Lovac. Nous retournons maintenant.